Bonjour tout le monde, bienvenue sur Etienne Gaming. Et l'univers du day, oui, parce que cette chaîne va être sur nos deux chaînes habituellement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un. Question time, épisode 1. Donc, ça ne sera pas le seul qu'on va faire, parce que là, on va en faire deux. Donc, moi, je vais faire un avec Etienne, et lui, il va en faire un avec moi par après. Plus tard. Non, je suis pas gay. C'est parce qu'on ne peut pas encore commencer. Mais si, c'est pour ça que je me préparais. Ah, ok. Oui, je suis célibataire. J'adore les filles. Tu me dis qu'on parle de ton je suis gay? Ouais, mon correcteur, il me fait de la marre, ouais. Ouais, parce que tantôt, il y a une fille qui qu'est-ce qu'il fait. Puis son correcteur, au lieu d'écrire. Je game, il y a marqué je suis gay. Donc, j'imagine pas la fille. Mais là, je pense qu'elle est traumatisée. Elle m'a comme. Ok, attends, est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Ah, j'adore ça. C'est quoi ton jeu de vidéo préféré? Oui, c'est Destiny. Comment tu joues à 2 heures par jour? Ah, au moins un bon 3-4 heures facile. Ok. 3-4 heures de Destiny. Ouais. Ok. Je m'attends jamais. Est-ce que tu aimes les mangas? Genre Naruto ou. Non, j'ai pas accroché la l'histoire. J'ai appris qu'il fallait qu'on lise comme ça. Ou lui de. Comme ça. Ouais, de gauche à droite. J'ai pas rentré dans l'histoire, non, c'est pas parce que j'ai rentré. C'est pas parce que j'ai pas rentré dans le livre, non. J'ai pas rentré dans le livre, non, c'est parce que j'ai pas rentré dans l'histoire du livre. C'est pas parce que j'ai pas rentré dans l'histoire du livre, que j'ai pas rentré dans l'histoire du livre. Mais c'est juste parce que j'ai pas rentré dans l'histoire. C'est pas dire que j'ai rentré dans l'histoire, non, non. C'est juste que j'ai pas rentré dans l'histoire du livre. C'est pas parce que j'ai rentré dans l'histoire. Non, pas ça. Parce que dans un livre de Naruto, la couverture est de ce bord-là. Évidemment, un livre américain, c'est de ce bord-là que la couverture est. Mais comme ça, c'est. Comme les Japonais, ils lisent en l'envers, la couverture est en l'envers. Regardez, je vais vous en lire un bout, là. Ok, je vais vous lire un bout de. Si on lit de droite à gauche, ok? C'est exact, contrairement à ce que tu imagines, Naruto n'est pas impossible que ce demandeur laisse passer une occasion pareille de retrouver sa force. Ça n'a pas de sens. Mais si on lit de gauche à droite, impossible que ce demandeur laisse passer une occasion pareille de retrouver sa force. Contrairement à ce que tu imagines, Naruto n'est pas c'est exact. En tout cas, tu sais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, pas à tout. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment lire de gauche à droite et non de droite à gauche. Et si jamais tu veux les lire, tu me dis là, je ne peux pas les acheter. C'est pour ça. Donne des ordres. Comme les films japonais. T'as pas idée. Bon, alors, comment tu danses quand tu fais de la musique électro? Je danse jamais sur la musique électro. Je n'ai jamais dansé de ma vie. On va passer à une autre question. Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es. Par exemple, t'es tout seul chez toi, est-ce que tu fais du sport, des choses comme ça? Hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais quand t'es tout seul chez toi, quand tu fais du sport? Je me crosse, un sport? Ok. Comment fais-tu pour ta masturbation? Quand je suis seul chez nous, ben, je suis courdé comme hier, là, j'étais seul chez nous, j'avais fait un petit jogging. T'es pas angoyant? Ouais, quand il est parti chez eux, quand il est allé, quand j'allais le porter chez eux, ben. C'est ça que c'est dans maintenant, parce que Harry, à cause que tu as une nouvelle coupe de cheveux, elle pense même que tu sors avec William. Ah non, je te dis, elle a vraiment des affaires. Ah, quelle folle, c'était fou. Quand ça me parle de toi à midi, elle disait à 4-3 heures avec tes cheveux, je dis, ouais, il s'est fait couper les cheveux carrés, c'est un drôle là-dedans. Elle dit, c'est coupé carré, ah! J'ai dit, gars, t'es coupé de triangle, moi, je le dis pas. Je sais pas, là, mais. T'es coupé l'ensemble. Ouais, pour vous dire, c'est ma prof, elle m'a donné un défi que j'étais pas game de me faire couper les cheveux, puis. Je me suis assis à la salle, j'ai dit, tu me coupes les cheveux, j'ai donné les ciseaux, puis j'ai dit, go. La preuve, on va vous montrer la preuve. Des petits ciseaux en plastique comme ça, là. Clic. Non, c'était pas des ciseaux de Dollarama, je sais pas vous dire. C'était pas des ciseaux de Dollarama. C'était pas des ciseaux de Dollarama. C'est bizarre, mais c'était comme ça, mais en fait. C'était pas des ciseaux de. C'est vrai, hein, ça fait forme si je zoome là. Je m'approche là.
Ah, ça irait bien si je me souviserais pas une couille. Hein? Et voilà ma face de couille. Je me ressemble à ça, tout le monde. Non, je t'en ai parlé, parce que j'avais un bout d'argent sur le nez, puis c'est mon prof qui me l'avait pété. C'est le contraire de toi, c'est mes cheveux qui sont. Donc, t'as dit déjà pratiquer en sport? Ouais, hockey costume, mais j'ai arrêté. Ça c'était dans une ligue, dans une équipe? Ouais, dans l'équipe à Charlevoix. Ok, ouais. C'est vrai, eux autres, j'en faisais. Ouais, j'ai arrêté ça. Ensuite, est-ce que les gens t'aiment quand tu fais des blagues? Excuse me. ça y m'aime bien. Est-ce que tu te vois dans humoriste? Ouais, j'y pense des fois, mais que je me verrais Maurice, ouais. Parce que moi, je t'en verrais, là, t'en verrais à côté de Pierre Méthode, là. Peut-être pas lui, mais... Est-ce que tu aimes les consoles old-gen ou next-gen? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes les consoles précédentes générations ou nouvelle génération? J'aime bien les nouvelles générations, mais j'aime aussi les anciennes comme GameCube, tout ça, j'ai bien aimé ça. Ouais, les GameCube, c'est vrai qu'on avait des bons jeux aussi. Ouais, Mario Kart Double Dash. Ouais, Mario Kart Double Dash, j'adore Wind Waker. Sur Wii U en particulier, je l'ai en français. Non? Ouais, tu l'as en français. toi, t'es plus PS4 ou Xbox One? Je dirais plus PS4. PS4? Ouais. Quel jeu, en fait, qui t'intéresse le plus sur PS4 à part Destiny? C'est du choix Anasty, là. C'est ça, mais disons, on va dire trois jeux. T'es trois jeux perfects que tu pourrais, que tu voudrais t'acheter à tout prix sur PS. Ben oui, ça serait Star Wars Battlefront, ça y est, ça, j'ai vraiment aimé ça. Au moment okay. qu'il l'a, puis j'ai trouvé ça bien fun. Ouais. Après ça, j'ai Ratchet & Clank, ouais, surtout. Surtout le nouveau, ouais, j'adorais ça. Puis il y a aussi, quel autre jeu? La Division. Ouais, Division, c'est ça, Division. Division, c'est super bon aussi. Ouais. Mais disons que des jeux qui sont tous sortis jusqu'à présent, des jeux qui sont pas encore sortis, on va compter Doom, même s'il est sorti. Entre Doom, Homefront Revolution, puis Skullbone, quel jeu tu préférerais avoir entre les trois? Call of Duty, Infinity Warfare. Il est pas dans les choix, mais... Je sais! C'est vrai que c'est un jeu que... Tout le monde attend, tous les gamers attendent. En 2017, tout le monde attend Ghosts 2. Et bon, je pense que pour la fin d'année, tout le monde va attendre Watch Dogs 2. On le redit en passant. Ouais. Il est censé sortir avant mars 2017, Watch Dogs 2. Donc, on attend. Toi, Watch Dogs 2, est-ce que c'est un jeu qui t'accroche? Ouais, wow, oui, sérieux. Surtout Watch Dogs. Le premier m'a accroché bien à l'aide. J'adorais ça le premier, puis je me demandais s'il y avait une suite. Oui! 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 Ok. Allez. Bon, désolé tout le monde, j'ai eu un téléphone. Ouais, Watch Dogs 1, il m'a vraiment bien accroché. J'ai adoré ça, tout le monde. Sérieux, ça me... Puis il y a l'extension, par exemple, qu'il faudrait que tout le monde en fasse. Ouais, Bad Blood. Ouais, parce que si tu suis pas Bad Blood, tu sais, qu'est-ce qu'il dit que Watch Dogs 2, tu suis pas Bad Blood? Ouais, c'est pas. C'est ça, non? C'est pas. Mais en tout cas, j'ai bien hâte d'avoir la deuxième chose, des nouvelles armes, des nouveaux chars, des nouveaux piratages. Ben ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr. Alors, c'est une autre question. Où est-ce que t'aimerais emménager? Dans n'importe quelle ville du globe. Parfait, Nouvelle-Calédonie. Ah, ok. Pour vous dire, c'est où ça? C'est à l'ouest de l'Australie, c'est à même pas 900 kicks. Mon oncle habite là-bas, puis il me dit que c'est même pas un kilomètre, puis il est déjà rendu en avion. C'est vraiment proche. C'est deux jours d'avion. C'est quand même bon. Ouais, c'est ça, ça nous dit bonne rêve. Si tu étais à Hollywood, dans le quartier des stars, quel star aimerais-tu rencontrer? Oh. Ça veut dire une histoire de la chanson, une histoire de la télé, n'importe quoi. Ok, ouais. Ça serait Tom Cruise, non? Tom Cruise. Ouais? Ouais, c'est bon. Il serait les Tortues Ninja. Ah, c'est pas vrai! J'ai écouté le dernier qui est en fait, puis ça m'a mis une idée. La porte à l'autre chimie. Ok, oui, je m'en vais.
garage. C'est bon, je pense à Pascal. Non, c'est pas vrai. Parmi toutes les Final Fantasy, Okay. Lequel t'as eu le plus? C'est ça que tu as que dans Final Fantasy que t'as eu le plus? Ouais, c'est le premier. Le premier, ouais, le premier était pas. Le pont t'as tout à l'heure. J'ai oublié, j'ai une vidéo à te montrer sur les. Il montre les villages, les environnements. Ton MMORPG que t'aimes le plus. MMORPG? Ça veut dire comme World of Warcraft, ils appellent comme ça. Genre tu peux aller vers l'Univers, Egon, Fang, n'importe quoi. C'est sûr que moi c'est World of Warcraft, c'est sûr et certain. Ouais. Moi c'est sûr que c'est World of Warcraft, mais il y a Wizard 5 aussi que j'ai bien aimé. Wizard 5, ouais. Wizard 5. Ouais, c'est bon. Non, le Wizard 101, c'est le jeu que les magiciens ont fait des quêtes, puis c'était assez bizarre. Avez-vous déjà essayé de faire des vidéos chez vos parents? Pas de zéro. Ouais, j'ai dit ça avant parce que je suis sûr que dans une minute, elle va revenir. Ok, t'as pas l'air, il va pas. Ton Zelda préféré? Oui, c'est sûr que c'est Hyrule Warrior. Hyrule Warrior, ouais. Oui, parce que toi et moi, on joue beaucoup à Hyrule Warrior. Ouais. Puis dans le personnage d'Hyrule Warrior, ben, effectivement, c'était Volga, oui. Ouais, c'est mon personnage. Mais disons un autre Zelda pour Hyrule Warrior. Parce que Hyrule Warrior. Charlotte of Time. Ok. Parce que Hyrule Warrior, on peut pas vraiment le considérer comme un Zelda, parce que tu sais pas. C'est tous les héros à venir réunir. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est plus t'avances, tu fonces dans le tas, puis t'attaques, là. Ton personnage préféré dans Final Fantasy. Le film de Final Fantasy 7. Et moi, j'ai même pas joué au 7. Physico. Ok! C'est ça que moi, c'est. Comment il s'appelle? Le blond. T'as pas les choses, je me rappelle de son nom. Je me rappelle plus de son nom. Blond. Non, le blond. Le blond. Oui, le blond qui travaillait dans l'armée. Ben, je suis le seul personnage blanc que je connais, mais c'est Cloud. Ah, c'est ça. Ouais, c'est Cloud, hein, c'est ça, c'est Cloud. C'est Cloud. Ouais, c'est moi qui s'est mêlé. C'est le seul blanc que je connais. C'est moi qui s'est mêlé avec Sephiroth, Cloud, mais c'est moi. Ouais, Sephiroth, il est fort aussi. J'aime bien Sephiroth. Son épée est trop plus grande que lui. Ton boss préféré, ça avait été lequel? Dans le Final Fantasy VII? Ouais. Un dragon, oui, les trois dragons. Le dragon d'or, puis. Ouais, ça, c'est ouais. Ça a été des mots que j'ai vraiment aimé, sérieux. Le dragon de Genesis. Ouais, ça, j'ai capoté la musique. C'est ça, là. Bon, faut que je passe à d'autres questions. Quelle sorte de série télé t'écoutes? T'écoutes pas de série télé. Ah, ok, les séries télé. Oh! C'est ça, n'importe quoi, Walking Dead, il y en a plein, là. Les séries télé. Enfin, du coup, pas vraiment, hein. Du coup, pas vraiment des vues, je pousse sur test, mais go. Puis, c'est ça, t'es tout dans le Xbox, mais t'écoutes pas de séries sur ta Xbox? Non. C'est vrai qu'écouter des séries sur une Xbox, ça fait un peu long quand même. Surtout que j'aime pas les séries Xbox, genre, sont tout en arrière, what the fuck. Ouais. Sur Xbox 360, tu sais qu'ils ne font plus de jeux. Ouais. Ben, en tout cas, Ubisoft ne fait plus de jeux. Ouais, ça je sais. Mais si Ubisoft pourrait faire un dernier jeu, quel jeu t'aimerais qu'il fasse? On me fera une révolution. Ouais, c'est vrai que. Je sais pas si c'est Ubisoft qui fait ça, mais. Je sais pas où ils m'ont pu aider à la fin, non. C'est sûr. Ah, je vais te faire, c'est pareil. On va faire également un gameplay sur Doom et on fera une révolution. Alors, en plus, on peut pas juste que cette terre, on donne des informations. Je sais que t'as déjà là, t'as un animal, t'as un chien. Ouais. Mais c'est un peu un autre animal que le chien, qu'est-ce que t'as aimé que ce soit? C'est un chien loup. Un chien loup.
Ouais, c'est un loup hybride, dans le fond, c'est un chien qui est fait avec un loup, là. Ouais. Mais un loup pur, pur, là. Un loup pur, race. Je vais vous montrer sur ma photo, j'en ai un. J'adore ça, sérieux, ça serait mon chien que je voudrais avoir. Ouais. Moi, ça serait un chat comme le chat Squeezie, Jumbo. Un chat Jumbo. On voit très bien quand ça me rappelle de loup. On le voit super bien quand ça y ressemble. Carrément. Ça y ressemble carrément. C'est ça mon chien que je voudrais avoir. Oui, un chien, un husky. Ah, ça là. Un husky, c'est beau, un esti. Ou un golden. Ah, ouais, un golden. Un golden aussi, là. Ça, moi, j'ai pas des genres de petits caniches, ça joue tout le temps. Là. Puis à la preuve, à côté de chez nous, il y a un esti de mon gars, il y en a trois. Je vais que ça dans la. Encore, c'est ta gueule. C'est ta gueule doux. Ça va, Canon 2. Ça va, Canon 2, on a gagné. Ouais, si. On va faire un trou sur le gros. Donc, on sait que les PS4, PS5 et Xbox 2 sont en 2018. Qu'est-ce que tu vas t'acheter entre la PS5 et la Xbox? Aucune des deux, parce que moi, si j'ai une PS4, ça serait PS4, ça serait PS4. Ça serait lourd. Mais est-ce que tu préférerais. C'est un choix d'un PC gamer. Donc, dire que tu peux le débrouiller. Ouais, tu peux le débrouiller tout le temps. Ou avec ton PS5 ou la Xbox 2, quelle console tu choisirais? PC gamer, Jésus. Je pense que beaucoup de monde, en même temps qu'ils nous regardent, sont d'accord que le PC gamer, c'est la. C'est la meilleure des choses qui peut pas avoir. Ouais. C'est vrai qu'il faut l'augmenter souvent, mais au moins, tu peux. T'es bon pour un, deux, puis c'était genre ça, même trois upgrades. Donc. Ça fait gros. Des blocs, ça fait gros. Et en plus, ton ordinateur est bon pour tu sais pas combien d'années, puis ça dépend de l'évolution des jeux. Ouais, en plus. Donc, déjà là, on est à quelque part. Ouais. Une série de jeux complets que t'aimerais avoir, une trilogie par exemple. Et mon Dieu Seigneur. Ça serait tout des Mario Kart que j'aimerais avoir. Ouais. Mario Kart? C'est des Mario Kart. Ok. Ça, c'est dans des jeux de course, mais si on parle de FPS. C'est des jeux de guerre. Tout est grave, je vous dis. Du premier jusqu'au dernier. Comme moi, par contre. J'ai pas, j'aurais pas vu ce moment-ci, là, je vais l'avoir là-dessus. Je vais l'avoir le deuxième sur ma Wii U. Je vais avoir le troisième sur la PS4. La trilogie, quoi. Genre, de Call of Duty à Call of Duty à Advanced Warfare, jusqu'au dernier, puis de Advanced Warfare. Dans le fond, genre, toute la connexion des Call of Duty, même, du premier jusqu'au dernier. C'est ça. Ouais. Mais le premier, faut dire qu'il était pas fameux. Non, c'est GameCube, là. Non. Ça valait pas de la merde. Disons que je commencerai à eux autres qui ont sorti sur Xbox. Oui, c'est pas ça. Franchement, là. Comme Modern Warfare 2, il était vraiment bon. Ah, moi, j'aime mieux. Moi, j'aime mieux le kit, mais j'aime mieux le 3. Ah, ben moi, j'aime le 2. J'aime le 2 à cause des missions dans la neige. Faut que tu escalades les collines. C'est issu. Tout le monde aime cette mission-là. Ben, en fait, tu te balades ce qu'il dit. Ouais, c'est le fun. Toi, ta bande dessinée, présentement, t'as un iPhone. Ouais, iPhone 5C. Mais qu'est-ce que t'aimerais avoir d'autres marques? Parce que la bête de l'iPhone. Le G3. Comme moi dans le fond. C'est mon seul effet, ouais. Parce que le monde sait qu'aujourd'hui, les iPhones, la batterie de l'iPhone, ça dure quoi, 24 heures? Tandis que même nos téléphones, aujourd'hui, une batterie dure moins longtemps que ça. Mais tu sais, avant, les vieux téléphones cellulaires, les batteries étaient une semaine, mon gars. Mmh. Une semaine. Puis tu sais, ça veut dire qu'il faut la recharger à chaque jeudi. Quasiment. Ouais. Tu vois, tu fais des vidéos sur Internet? Mais si tu pourrais prendre la place d'un youtubeur, n'importe lequel. Dans quelle place de quel youtubeur tu voudrais. Squeezie. Squeezie? Ok. Je te dis d'aller discuter. Squeezie, c'est le premier youtubeur français, donc. Oui, je vais rien ajouter. Je vais pas bronzé. Sur ta chaîne YouTube, tu rêves de temps à combien d'abonnés? Non, au moins une bonne centaine, j'aimerais ça. Une centaine? J'ai rien que c'est une centaine. Si je me rends à 2-3 000, ça serait vraiment la fin de vie. Ouais, c'est sûr que. Si tu veux que ça arrive, il faut que tu lâches. Je lâche pas, je lâche pas pris. C'est le seul conseil que je peux te donner. C'est sûr, je lâche pas pris. Moi, je suis arrivé à 26 à cause de ma page Facebook, YouTube, Twitter, mais.
C'est vraiment tout, là. Donc, pour ça, là, tu dois me décaster un plat de demain? À part ces jeux, tu peux poser des erreurs de ma vie, je sais pas. Ok. Encore à l'école, oui, je suis encore à l'école. Non, ça, c'est pas une question. Qu'est-ce que t'as envie de faire dans la vie? Je sais même pas encore, j'étais à la recherche encore. Je te disais, t'as pas un boulot en vie, je sais pas. Ah oui, oui, depuis que je suis jeune, j'aimerais ça devenir archéologue. Depuis que t'es jeune? Non, mais si, vas-y. Non, mais c'est pas quand j'étais jeune, c'est tout qui passe sur deux jours. Les camions et les avions. Puis quand je t'ai demandé qu'est-ce que ça m'avait, putain, ça m'a pas dit que t'avais ça avec petit chauffeur de camion, chauffeur d'avion. Si je me rappelle encore. Ça a commencé avec l'archéologue avec mon oncle qui devient triplé ses dinosaures. Depuis ce temps-là, ça me rentre dedans. Mais j'avoue que c'est vite, tu es archéologue, tu découvres un cadavre de dinosaures ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire, j'étais à ma tenue 5 ans, je savais le poids, la grandeur, le nom du dinosaure, je savais tout ça, même encore aujourd'hui. Ouais, pis on a juste un bon joueur à l'arc survivant, là. Dès qu'il voit un dinosaure, il sait le nom, là. Il chie le main dans le deck. Sauf que c'est assez compliqué comme jeu. Ouais, c'est compliqué. Surtout si tu joues avec un serveur avec tout le monde. Il y en a qui me parlent, moi, tu dirais. Ouais, t'avais pas de micro. Ouais. C'est ça. Bah, ça doit être bon pour mon micro connecté, j'ai un fuck you. Ouais, les yeux. Donc, toi, t'aimes pas danser, mais est-ce que t'as déjà joué à Engine's Dance? Que ce soit sur Kinect ou sur Wii ou... Je me rappelle avec toi. Oui, ok, oui! Engine's Dance. Ah, on se donnait des défis. La toune électro, j'avais réussi à 5 étoiles. Papa Americano. Ouais, la toune, ça c'était Rock'n'Roll de Skillex. Tu m'avais donné des pieds d'appel à 5 étoiles, j'avais réussi, je l'avais fait à la tête sur le plafond parce que j'avais trop. Mesdames et messieurs, c'était incroyable, ça a été sur internet là. Mais ce gars-là, je sais pas là, mais. Personnellement là. Et puis, j'ai jamais dansé de ma vie. La toune la plus dure de Jeans 24 en 5 étoiles quoi. Et puis, c'est que j'avais jamais dansé de ma vie. J'imagine pas par exemple sur Jeans 2015, la toune la plus compliquée. J'en ai fait une là sur Jason 2015 même là. Mais elle est tellement compliquée, mais je te verrais, man. Sérieux, à faire 5 étoiles, là. Si t'as fait 5 étoiles, je pense que je te buterais. Mais quoi, j'ai jamais dansé de ma vie. Je sais même pas comment. Ben, c'est pas compliqué, Chris. Tu fais ce que le bonhomme fait à l'écran. C'est toi qui fais ça. Il faut que tu fasses ça. C'est pas compliqué. J'aurais jamais envie de faire ça. Ben non, mais c'est comme. je veux dire, c'est comme Jin Zin, ça. 2014, c'est juste qu'au lieu de jouer avec la Kinect, t'as la manette. Ça a même pas fait, c'est juste que t'as la manette. Du coup. Donc, ben moi, j'ai. Pour ça. C'est une blonde. Non. La question. Tu es blonde? Non. T'es plus allé. Hein? T'es plus allé. Non. Un mois et deux jours. Ça m'a dit que t'allais te faire une semaine. Ouais, t'as mis ton cash. Ah, c'est pas vrai. Ouch. Je vais appeler quelqu'un et je vais dire de me faire après. Allô, Johnny Depp? Je vais appeler le gars qui faisait la demande de sortir du jeu. Tortue Ninja. Tortue Ninja. Ah oui, j'étais chez Tortue Ninja. Donc, à part ça. J'ai 17 ans toutes mes dents. Non, mais imaginez-vous. Moi, j'ai toute la vie pour m'habituer. Vous l'entendez juste depuis 5 secondes, vous en êtes déjà fou. Oh!
Donc, à part World of Warcraft, c'est quoi ton meilleur jeu bizarre? C'est un autre jeu bizarre que t'as aimé plus que World of Warcraft. StarCraft, j'ai quand même aimé ça aussi. Oui, StarCraft, c'est bon aussi. Mais c'est aussi StarCraft. Non, StarCraft, c'est pas une chose que t'as aimé. Ouais. Toi, dans la vie, est-ce que t'aimerais ça être acteur ou, mettons, tourner un film, que ce soit n'importe quoi, genre acteur, monteur, réalisateur? Ouais, j'aimerais ça être un acteur. Ok. Avec quel acteur t'aimerais ça tourner un film? À part Tom Cruise, parce qu'on sait que c'est ton acteur préféré. Barack Obama! Ah, c'est pas vrai? On dit Justin Trudeau. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, hein? Justin Trudeau, c'est juste le Trudeau. Doudou! Non, je viens, c'est beau, hein? L'acteur qui fait Tony Stark dans Iron Man. Ah oui, je sais pas c'est qui l'acteur qui le fait. Je sais son nom, mais j'ai oublié. Ça, j'aimerais ça. Il me fait penser à oui, parce qu'il y a comme un style genre de conneries, genre d'humour noir qui fait que moi aussi je suis allé. Comme Thibon. C'est ça, genre l'autographe, connard. C'est comme. Mon dessin animé préféré. Ah oui, Bakugan. Ça a été ma vie. Là. Parce que t'as aussi un manga japonais que t'aimes beaucoup. Un dessin animé japonais. Je l'ai jamais écouté. À part Naruto. J'ai jamais écouté. Mais à part Naruto. J'ai jamais écouté. Oui, ça, j'ai déjà écouté. Non. Avec moi. Non. Ça fait longtemps. Ah oui, Dikata. C'est vrai, Dikata. C'est ça. Dikata. Ça, je sais pas si c'était japonais, mais. Je sais pas moi non plus, mais ça, j'écoutais ça. C'était un bon dessin animé, ça. Ouais. Vraiment. Surtout Bakugan, on a beaucoup écouté ça depuis moi aussi. Je vais vous le dire, ok, quand j'étais jeune, j'avais deux pots de crème glacée remplie Bakugan. Juste pour vous le dire, hein. On avait un tabac. Puis moi, ma série préférée dans tous les Bakugan qui ont sorti, parce que quand même. C'était sorti, ça a été Métanopsule. Ouais, moi aussi. Puis il a quand même sorti 4 saisons. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien que ça. Non plus, c'est bon. Et Métanopsule, j'avoue que c'est vrai que. C'était vraiment bon. Pour se rendre là avec des Bakugan aliens, puis. Je me rappelle, j'avais allé au cybernétique. Ouais, mais Spectra, faut dire qu'il était rendu malade là-dedans. Là. Ouais, il était rendu mon gars, là, Spectra. Quand t'es revenu en Louis et Raymond, là, c'était. C'était quelque chose, on va se le dire, c'était quelque chose. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Ton Bakugan préféré, tu sais. Elle est aussi bien, me dit. C'était ça. Puis le Bakugan que t'aurais aimé avoir, mais que t'as jamais trouvé. Maxus Elios. Je pensais t'avais dit à Maxus Dragon. Maxus Helio. Ok. Après des Bakugan que j'ai essayé de trouver le plus possible, je n'ai jamais trouvé. Moi, j'ai jamais eu Maxus Helios, mais j'avais eu Helios par contre. Ouais, t'avais Helios en mode la Darkus. Enfin, moi, mon Bakugan préféré, je pense que c'était Diablo. Dans la première saison normale, là, c'était Diablo. Je me rappelle, je l'avais. Ouais, tu me l'avais donné en plus de ça. Ouais, c'est très bien rêve. Tu m'avais donné Diablo, tu m'avais donné Wilga. Moi aussi. Ouais. Il t'a évolué, je pense, depuis un temps que je t'avais donné. Ouais. Ouais. En tout cas, c'était mal. Je n'avais vraiment tout le monde, ok? Je vous dis, je n'avais plein. Ouais. Après ça. C'est quoi ton jeu de cartes préféré? Je veux dire, avec des cartes de jeu, là, Magic, World of Warcraft, n'importe quel jeu de cartes. Oui. J'ai poigné un peu sur Magic, ça, j'ai poigné un peu. Moi, j'ai poigné un peu. Mais là, je suis rendu avec Hearthstone, là, avec ouais, mais les cartes. C'est rendu là. Parce que c'est vrai que. Moi, je sais que t'avais un deck de cartes Pokémon que t'avais réussi à avoir. Je veux dire, je serais mal vu jouer au Pokémon. Hein. Dans mon école, ici, là, ça joue à Pokémon. Ça joue aux cartes Pokémon. Ah ouais? Je te niaise pas. Là. C'est vrai? Les enfants à Serge, là, ils jouent aux cartes Pokémon. C'est vrai? C'est n'importe quoi. Je te dis, là, j'ai envie de me joindre à eux, là, tu sais. Ah ouais, moi, je suis encore fou, mais j'aime bien ça, Pokémon. Donc, y a-t-il une dernière question que je pourrais te poser?
Est-ce que j'adore les jeux d'horreur? Oui, mais j'ai peur en tabarnak. Ta vidéo préférée de Squeezie? Alien Isolation, quand il joue Alien Isolation pis qu'il fait comme une fille. Hey, ça là! Fumé, fumigène et. Hey, ça là! C'était cool! Ok, j'en ai une autre. Tellement que j'ai trouvé ça drôle que je l'ai même screenshoté. Préférerais-tu avoir un ordinateur gamer ou avoir un Oculus? Les cas de la dévertuée. Pour ceux qui ne connaissent pas. Avoir un mystère qui court à ta barre 5 dans ma tête. Oh, il vient de se planter. Ah, c'est pas vrai? Non, mais tu sais, aussi que tu penses aux jeux que tu peux jouer sur PC. Moi, ça serait l'Oculus. Les jeux que tu peux faire en éclairage. Ça serait l'Oculus avec l'isolation. Imagine Assassin's Creed monter sur la tour de Londres avec la case à la télé virtuelle. Ah, moi, ça serait mon genre. Ça doit tellement être Mongol ou Doom en réalité virtuelle. Ça serait cool. Ça serait cool. Ça serait cool. Ou bien Call of Duty, man. Ouais, Infinity Warfare dans l'espace, ça, quand le robot il pointe. Ouais. Ça va se faire. Et pour terminer, disons que tu pourrais te faire un ami étranger, tu voudrais qu'il soit quoi? Vietnamien, marocain, n'importe quoi. Un ami étranger que tu pourrais te faire. Parce que moi, en marque Jizaki, qui est marocain, alors moi, j'ai pas d'amis qui viennent d'un autre pays, je n'ai pas. Puis j'ai Khalid qui est vietnamien. Disons que je n'ai pas, j'ai un ami qui vient pas d'ici, qui vient de Gaspésie, ça c'est vrai. Ouais. Il s'appelle Alex. Ouais. Mon Dieu. Ça faudrait que tu me copies. Il habite en Gaspésie. Ok, mais ouais. Par rapport à ça, genre. Non, nouveau dos. Ah non, un noir roux, c'est dégueulasse. Ouais. Mais c'est bon, hein? N'importe quelle race. Japonais. Ouais, j'avoue, ça serait cool pour ça. Qui parle français, ok? S'il parle pas français, je le tire dans l'air. Comme une place que j'aimerais visiter au Japon, là, c'est le quartier des geeks, à Tokyo. Leur jeu là-bas, là, tu peux payer genre 10 cents, là, puis tu reviens avec 5 jeux directs. Je te dis, là-bas c'est le paradis, c'est la paradis des geeks. Hein. Bon, ben, écoutez, moi j'ai posé toutes les questions que je pouvais poser à la tienne. Donc, c'était la vidéo qui va se retrouver sur ma chaîne, sur sa chaîne également. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, tout le monde. Bye!